Tueuse. J'ai trouvé plus d'informations sur Juju. Il semble que son vrai nom soit Julie Brandt, une aristocrate française qui a rejoint le camp nazi aux toutes premières heures de la guerre. Elle épouse le général Lothar Brandt en 1957. Nazi jusqu'à la moelle. Sauf on est conne ou quoi? Comment on a pu se faire berner par Juju et Lothar? Tabi... Oh! Je viens de l'apprendre de la bouche d'autres résistants. On leur a tendu un piège, mais la plupart s'en est sorti. L'un d'entre eux aurait vu Lothar et Juju escortés par un escadron d'élite nazi. Je voulais vous prévenir. Ah!
Continue comme ça. Merci, Sof. Granate, aufpassen! Tu déchires. Ok, les filles. Je capte le faible signal d'une machine Enigma non loin de votre position. Essayez de la récupérer avant que les nazis la démontent, ok? La machine Enigma est à nous. Spectaculaire, les filles. Écoutez-moi ça. Juju, alias Julie Brandt, a mené l'attaque sur la Résistance ayant conduit à la capture et à la mort de son chef, Emmanuel. Elle l'aurait torturé pendant des jours pour faire plaisir au général Lothar. Ces fils de pute de nazis sont des monstres et doivent crever. Compris ? L'entrée du labo X ne devrait plus se trouver loin maintenant. D'après ce que je vois, elle est bien cachée. Alors n'hésitez pas à fouiller les moindres recoins. Stop. Bien, mesdames. Sachez que l'ascenseur secret qui vous conduira jusqu'au labo X
et camouflé en colonne Maurice. Quand vous l'aurez trouvé, cherchez les deux autocollants à tête de mort. Hey, vous devrez bien appuyer dessus simultanément pour ouvrir la sonde. Bewege mich zur anderen Position! J'ai cherché, mais il y a très peu d'informations concernant le Labo X. Il devrait être lourdement gardé pour empêcher toute intrusion. Si vous croisez un ordinateur central, prenez les clés des deux commandants qui le gardent et déverrouillez-le pour que je m'y introduise. Merci, Abby. N'oubliez pas, même si vous y perdez la vie, vous aurez fait de votre mieux. La plupart n'essayent même pas. Oh, c'est trop mignon, Abby. Le général Lothar a donc réussi à garder le secret tout ce temps. On va vraiment avoir le bras long. C'est bon signe. Ça veut dire que nous sommes divisés, tu crois pas? Possible.
à la bosse. Ja, Kommandant. Mehr Leute sind unterwegs. La dernière partie des bandes de Lothar est défragmentée. Écoutez un peu. Ich habe einen Plan. Ich habe herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Juju in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, Generalmesser, am Ende werden wir siegreich sein! All dem Vierten Reich! Voilà, c'est tout. Terminé. Komm, du versperrst die Schusslinie!
Non mais les filles, Cuthbert Cocksmith, sérieux. Attends. C'est donc là que papa est censé se trouver, alors. Et s'ils avaient mené des expériences sur lui? Non, mieux vaut même pas y penser. Non mais les filles, Cuthbert Cocksmith, sérieusement, c'est quoi ce nom? Je sais, c'est du génie. D'avoir un repère souterrain comme ça? Sans toute la déco nazie? Ouais, ça déchirerait grave. Sans toute la déco nazie? Ouais, ça déchirerait grave. Wir brauchen Verstärkung! Ja, Kommandant, Verstärkungseinheit ist unterwegs. Position.
So! On s'approche. Comment tu le sais ? Je sais pas. C'est juste une intuition. J'ai la... On a les deux clés, Abby. Putain de... Bien. Maintenant, déverrouillez-moi cet ordi. Il faut que tu viennes filer un coup de main à ta sœur, Jess. Ordinateur déverrouillé. Je vois. Les protocoles de sécurité de ce système sont drôlement avancés. Laissez-moi deux secondes.
C'est bon. Ordinateur piraté. Dites, j'ai trouvé des infos sur l'exosquelette de Lothar. Il a l'air sophistiqué. Si vous le croisez, faites attention, ok? Dites-moi que je rêve. Mais comment c'est possible? Mes petites chéries! Mes petites chéries! Oh, oh. Dans les années 60, c'était le seul moyen qu'on avait d'arrêter le Führer. Elle pouvait ouvrir des portes vers d'autres endroits, mais un jour, elle s'est volatilisée. Vous avez été suivie? Non, je crois pas. Les nazis ne viennent jamais là, à moins d'y être obligés. T'as pas été capturé par les nazis, alors? Non, ma puce. Je me cache ici parce que j'essaie de rouvrir la porte pour revenir en arrière et réparer ce que j'ai foutu en l'air. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Réparer quoi? Le monde, ma chérie. Oh, allez, papa. T'as tué Hitler. Hitler avait conçu une sorte de machine d'apocalypse qui s'est activée quand il est mort. L'enfoiré voulait que tout le monde meure avec lui. Max a été le premier à s'en rendre compte. Des perturbations au niveau de la météo, des orages de plus en plus violents, des ouragans. Mais pourquoi tu nous as rien dit? C'est à bien étudier la question. Il n'y a aucune alternative. Ce monde ne sera bientôt plus apte à accueillir la vie humaine. C'est là que j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Après la mort de Seth, ces travaux m'ont mené ici. La nazie française a essayé de se servir de moi comme d'un coursier, mais... j'ai réussi à voir clairement leur jeu. Après, j'ai trouvé ça. Alors utilise-la, papa. Ouvre la porte. J'y suis pas arrivé, ma puce. Pourquoi? J'ai suivi les instructions de Seth à la lettre, mais... la porte était fermée et j'ai... été frappé par... j'ai vu une vérité qui m'a fait tout remettre en question. Je comprends rien à ce que tu racontes, papa. Il existe... une autre dimension. Une parmi tant d'autres. Elle est séparée de nous par l'immensité du temps et de l'espace et... c'est pas facile. Parle-nous. Dans cet autre monde, la vie est simple et tout va pour le mieux pour notre famille. Vous êtes là, à profiter de la vie comme vous le devriez. C'est tellement beau qu'on croirait un rêve. Rien à voir avec notre monde. Celui-là est complètement foutu, à cause de moi. C'est des conneries. Tu te rappelles ce que tu m'as dit dans les plaines? À propos de quoi? Quand tu regardes dans la lunette d'un fusil, t'es focalisé sur une tête d'épingle. Tu te souviens? Ouais. Arrête de te focaliser sur ce que t'as vu et regarde un peu ce qui t'entoure. Peu importe ce qui se trouve dans cette autre dimension, c'est dans celle-ci qu'on vit. Alors il faut qu'on s'arrange pour en faire un endroit qui en vaut la peine. Comme tu l'as déjà fait. Il est peut-être trop tard. Alors on continue à se battre.
Ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est de la part de Seth. C'est pas vrai. Canaliser l'énergie des autres dimensions, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Viens par ici, Jess. Ça devrait être quelque part par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec ça, vous devriez pouvoir infliger une bonne raclée aux nazis, mes chéris. Une vraie grosse raclée. Il faut tuer les brontes avant qu'ils s'envolent. S'ils nous échappent, ils auront toutes les cartes en main. Mais tu viens pas avec nous? Les nazis vont mettre le paquet pour vous arrêter. Je vais rester ici pour les occuper. Ne m'attendez pas. Prête à décoller, Kenneth? Sûrement plus prête que toi, Arthur. Frimeuse. Ferme ton claque-merde. Parle à maman. Sa gueule. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend es war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht! Luther... Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Oh!
sur le toit! Cours, Van Match! Hé, Abby! Réponds, réponds, Abby! Merde! On a perdu le contact! So froh, dass du mich überredet hast, weitergehen. Première statue de ce conte nazi explosé. Large, je vois. Vous voilà. Vous arrivez pile pour le début des réjouissances. Oh, où tenez-vous ce pouvoir? On s'amuse comme chez vous, dit. Je me fiche de votre force. Je vais vous anéantir. J'ai besoin d'un petit coup de main, Jess. Pas mal de marche à faire avant de crever, Sorette. Jess.
Sois prudente.
ultime vocation est de créer un nouveau monde dans les cieux. Je t'aime aussi, Jess. Tu as dit que t'es la meilleure sœur au monde. Tu viens de le faire. Fais gaffe, ils ont un soutien aérien.